seconds from panic. Hey, hey, I can't escape it. I'm 10 seconds from panic again. No, no, nothing could help me live through this. The memory of my sins. Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui pour le showcase du Vegeta God dans une team que vous attendiez peut-être pas. C'est la team Movie. Et pourquoi team Movie? En vrai, vous allez voir, elle a des très bonnes choses pour ce Vegeta, vraiment. Elle peut avoir des super bonnes choses. Donc, on va voir un petit peu ensemble pourquoi. Avant que la vidéo démarre, les gars, n'hésitez pas à toujours, comme d'habitude, cliquer sur le bouton s'abonner, à s'abonner du coup, et à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de showcase, de concepts, de vidéos. Enfin bref, n'hésitez pas, lâchez-vous, l'espace commentaire est fait pour ça. Et je vous en voudrez jamais si vous donnez votre avis, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur, vous le savez très bien, pas besoin de vous le dire. La team ici, donc... ça va être avec le Broly rouge. Alors pourquoi c'est intéressant de jouer avec Broly rouge? Et bien on rappelle que Broly rouge de 1, il a un pivot, donc c'est intéressant. Et qu'en plus de ça, il a une réduction de dégâts. Alors faut pas oublier que le Vegeta il a 40% lors d'une cover, qu'il a 10% de base tout le temps, il a tout le temps 10%, donc ça fait 50%. Et si vous avez la verte, il a 20%. Donc on peut montrer super haut en termes de réduction de dégâts sur ce Vegeta. Vous allez voir que dans cette team, il tanque beaucoup. Alors, faut pas prendre en compte le nombre d'HP, parce qu'on en a pas beaucoup dans cette team, parce qu'il n'y a pas de cap Z d'HP en movie. J'aurais pu mettre Raditz, mais le problème, c'est que je veux jouer Bojack. Et du coup, forcément, ça ira pas. Du coup, j'ai préféré jouer Gratiaman avec double cap Z def. Donc comme ça, on est plutôt bien. Donc avec la team, vous allez voir, elle fait des très très belles choses, et notamment ce Vegeta, en plus, avec le double pivot Bojack et Broly, le perso il a largement sa place en team movie. Vraiment, il n'y a rien qui l'empêche de jouer en team movie. Donc les frérots, comme d'habitude, petit pouce bleu et on part sur les games, let's go. Ok, première team, Univers Rival, alors, il a un beau topo. En vrai le matchup il est beau, enfin, il y a une cover strike et donc c'est pas mal. Ouais, je pense pas qu'il y ait un avantage et moi non plus, ça me paraît assez équitable sur le papier. Même si, bon, son topo va être assez embêtant tout de même, mais bon, on peut l'arracher. Ok les gars, let's go, c'est parti. Et ça commencera avec Jiren en face, c'est plutôt bien joué, hein, de jouer avec Jiren au début. Allez, on part sur Bojack un petit peu ici. Donc là, son ratio de vie sera forcément moins élevé, hein. Et la première... En vrai, il fait mal quand même, hein, sur la première. Là, on voit un peu verte, ici. Donc là, sur le prochain switch, on prendra 0 dégâts. Ah, dommage. Du coup, avec les tap attaques ici, nous l'enlève un petit peu, cette verte. Ok. Alors là, on est méga... Oh là là, mon Dieu. Oh, ce qu'on lui a calé. Bien joué. Parfait, parfait. Oh bah là il est. Oh bah il est trop mal. Là il est trop trop mal. La même chose à faire, ouais c'est ça. Il a raison. C'est de cover d'attendre un maximum, pardon. Le choix va être très compliqué ici. Hein. Parce que là il les prend. Hein. Il va être hit. Et il le laisse crever. Donc son hit derrière ça va être une machine de guerre. Et regardez ce qu'on va faire. C'est qu'on va cover avec Vegeta. On va le laisser, hein. On va le laisser ici. Et voilà. Et là, on peut spé derrière. Et là, on va faire trop mal. Voilà. C'est ça qui est fort. Et là, on va refaire la verte, même ici. Ok, en vrai, il a fait son taf. Hein. Il a fait son taf, lui, ici. De toute façon, derrière, on n'a rien à craindre. Franchement, on n'a rien à craindre. On va le laisser peut-être nous... Bon, on va mettre lui. Parce que je sais même pas si avec le RR, il nous tue, en fait. Ouais bah non, là c'est la tristesse hein. Ah non, je pense qu'avec le RR il nous tue même pas. Ok. Bon non, ça aurait été... Ouais là ça aurait été l'atomisation. Donc le Vegeta il a fait tellement mal sur le Jiren. Le Jiren on l'a pas eu de la game du coup. C'est plutôt cool et du coup bah il a enchaîné les petites tap attaques, tout ça, et ça faut pas faire.
faut pas faire parce que c'est 30% de dégâts à chaque attaque ennemie. Donc on se rappelle, c'est très très fort, donc assez satisfait. Et même sa cover est excellente au corps à corps, donc on peut caler l'aspect derrière, c'est complètement free. Bon bah on joue face à Kakaroto. Alors Kakaroto, il a une belle team. Très 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 belle team. J'aimerais bien qu'il joue son Vegeta violet, même si j'y crois pas, mais j'aimerais bien. Et j'ai envie que mon Broly, même si je le joue pas, le dissuade de prendre un rouge. J'espère que ça va faire. Du coup on va faire ça, ça, et on va prendre Bojack ici comme d'habitude. Je vais pas jouer le Broly ici parce qu'en fait, si je joue Broly, Broly il va carry, il va tout démonter. Donc ça c'est pas le showcase de Broly. Et peu importe ce qu'on fait, de toute façon si on met Broly dans une team, ça devient son showcase tellement il est fort le perso. Donc on part là-dessus. Ok, alors en face, eh ben, ça a pas pris beaucoup d'un mec du coup au final. Bon, on va enchaîner ici en vrai. Et on va faire l'aspect. Juste pour réduire le ki, ça va peut-être un petit peu l'embêter. Ça, c'est bien joué, hein. Ouais, vite, 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 là. Vite, vite, et même là, s'il crit, ok. Je comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Ok, bah là, c'est parti, hein. Ok, le main ici. Ok, donc on a pas la vitesse de pioche actuellement, mais c'est pas très, très grave. Oh, let's go. Bah là, on le tue, hein, le perso, hein. Je pense qu'on le tue en vrai, je pense qu'on le tue quand même à contre-type. Il est dans l'obligation de donner. Oh là, c'est tellement fort ça par contre. Et du coup, là, il est en cover, il a nullifié le type 1. Hein. Ici, le Vegeta, il avait nullifié le type 1, hein, donc c'est n'importe quoi. Là, il a fait trop mal. Il a fait trop mal. La team est assez solide. En vrai, ma team est plutôt solide. Bon, le point faible en tankinette, c'est Bojack, mais Bojack avec sa cover. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tankinette, ce perso? J'en suis pas certain. En vrai, je switchais sur Broly ici. Et ben, ça serait parfait de stun là. Oh, le stun quand même, il nous mettrait bien là. Allez. Allez, bon, 20%, ça reste assez faible quand même. Allez, Broly! Oh, dommage. Aïe. J'ai peur là. Oh, ouais. D'accord, d'accord. Il a toujours pas spé depuis le début de la game, on rappelle. Fallait que ça sorte l'aspect au bout d'un moment. Il est mort. 1 million! Ah oui, c'est énervé quand même, 1 million par contre. Hein. Il va break cover ici. Oh, il fait. Vous avez vu la tankinesse de Vegeta ici? La tankinesse du perso face à. C'est impressionnant. Après, il est pas Zenkai. Je crois qu'il est que Zenkai 1 ou 2, non? Je sais plus. Tank le perso. Hein. Oh, dommage. Ok. Bon, la porte ici, le Vita qui tank méga fort dans cette team. Bah, je vous ai dit, hein, 10% de réduction, plus les 25%, ça fait 35% de base. S'il fait une verte, ça monte à 55%. Et s'il est en cover, 95%. Ça part en couille. Donc, du coup, bah, première game, plutôt sympa au niveau tankiness. Et bon, en termes de dégâts sur Badak, à la fin, c'était énervé. Hein, 1 million, je crois. 1 million ou 1 million 5, je crois, de l'aspect. C'est fort, c'est très très fort face à du Zenkai 7 avec deux KZ Zenkai. Ok, let's go, donc on tombe face au frérot Thierry. Gros GG à toi frérot, hein, si tu passes par là. Il a une team de malade, mais il joue le Goku Zenkai 7. Alors ça c'est stylé. Ça c'est stylé, bon ça va... En vrai ça va un petit peu le bait parce qu'ici il doit se dire mais il a un sacré bleu. Donc je vais peut-être pas prendre... Je pense qu'il va partir avec Goku vert en vrai. Et Goku SCJ3, enfin les deux Zenkai et Goku vert je pense. En vrai je pense qu'il va prendre ça parce que du coup bah mon bleu, je pense qu'il c'est un bait quand même ici. Bon le top serait quand même de Rising Rush sur Goku SCJ là quand même. Oh, oh il le prend pas. Ok. Bien joué. Bien joué à lui. Ça c'est fort et 6P on mettra Bojack hein, par contre. Ok. Ok, ok, donc on le laisse pas faire et nous on peut spé derrière, donc ça c'est fort. Par contre, ça c'est voilà. Bojack, voilà. Au lieu de prendre une grosse sauce, bah c'est nous qui la mettons. C'est la force de Bojack et bon, ça va en vrai, il tank plutôt bien. En même temps, il a des étoiles. Hein. Allez, le clash.
997 au clash, incroyable. Incroyable. C'est moi, c'est moi qui joue là. Ok, let's go. Allez, c'est parti, Bojack. On va essayer de tempo un maximum. Allez, là, c'est qu'il va devoir switcher à force. Hein. Il va devoir switcher parce que son rouge a déjà pris très cher. Hein. Il va main ici. Bien joué. Il va cover ici. Voilà. Oh bah là c'est la sauce. Hein. Là c'est la sauce, ça tout va ici. Il aura pas tout de suite son Goku. Oh, je pensais vraiment pas qu'il allait maintenant. Et bah si il se met, on peut remettre Bojack. c'est pas plus compliqué. Ouh, aïe, on est dans une sauce là. Oh, ça va, Bojack s'est soigné. En vrai, si RR, je le laisse. Hein. Si RR, je le laisse, j'ai pas le choix. Ah, il y a peut-être ulti là par contre. Ok, IRR comme j'ai dit, donc ça je laisse. Il n'y a pas de souci, ça me va. Par contre, si on contre, on est bien. Si on contre, on est bien. Non, dommage. Bon, on n'a pas le R nous. En vrai, ça nous a mis mal la cover parce qu'en fait, j'avais une Kikoa en main. Et j'aurais fait la Kikoa. J'aurais peut-être même pu RR derrière. Donc, bref. Tant pis, je pensais vraiment pas qu'il y avait Goku maintenant. Je pensais qu'il y avait une petite seconde là encore. Ah, ça va être fort par contre. Ah, il tente le stun. Ça se tente, hein. En vrai, ça se tente. Bien joué à lui. A voir, est-ce qu'on va le prendre ou pas. Par contre, il nous met l'anti-soin. Et oui, c'est pas bête, l'anti-soin. Ok, ça, c'est mort, par contre. On va switcher ici. Ok, direct. Il nous donne Goku SSJ. Enfin, son Goku rouge, pardon. Forcément. Bon, si on avait pas contré, si on s'était pas fait contrer, on était tellement bien. Voilà. Ça me fane. Ça me saoule. Genre, ça me saoule vraiment. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me saoule. Ouais, voilà. Je peux plus soigner, etc. Ça me nique la game complète. Ah, c'est terrible. Et voilà. Super. Voilà. Bah, je vais perdre la game là-dessus, hein, les gars. C'est pas plus compliqué. Terrible. Terrible parce qu'après j'étais sur un violet donc voilà. Ouais je peux pas hein, je peux rien faire hein. Bah gros GG à lui. Gros GG à lui mais bon voilà c'est comme ça. Mais ça me gonfle au plus haut point de me faire contrer les R comme ça. Mais c'est fou, c'est chiant. Ok, en face c'est une team divin. Mais alors une team divin pas terrible. Pas terrible j'espère qu'il va prendre Migaté. J'espère sinon il mettra Goku Blue. Bon bah on va l'atomiser. En vrai, son Goku rouge peut nous embêter. Genre, son Goku rouge avec la cover strike peut nous embêter. Il nous empêche le soin, etc. C'est un plutôt bon contre à notre Vegeta, c'est vrai. Allez, les frérots, let's go! Il le joue. Petite verte ici. Bien joué. Forcément. Hein. Forcément, là, ça détruit. Hein. Là, c'est parti. Là, c'est parti. Deux étoiles, le Migaté et encore. Hein. Il nous avait pas touché. Donc, on n'avait pas tous les boosts. Et on n'avait même pas suivi sur Bojack. Alors, autant vous dire que. C'est vraiment loin d'avoir tous les boosts, même. Ok. Ulti ici, hein. Ulti, let's go. Donc là, on a les pivots se mettent en place. Une fois que la team est en place, elle est forte. Genre, elle est très très forte. Et bah, du coup, c'est plutôt. En plus, on a possibilité de stun dans la team, ce qui reste fort, même si bon. Je crois qu'il est pas placé une fois le stun depuis que j'ai Broly. Voilà, c'est parti, les gars. On a plus de vie que lui, donc là, on a tous les boosts. Voilà, c'est mort. Hein. C'est clairement mort ici. Putain, on fait super mal. Hein. Franchement, on lui fait super mal en face. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Ok, ça c'est free. Puis après, mis à part qu'il nous ulti derrière, mais sinon, vous allez voir la tankiness. Même dispel, le perso, il va faire zéro dégâts en face. Donc là, on tue. Et après, bah, c'est open bar. C'est open bar après. J'ai un mon. En vrai, ce serait sympa qu'il me touche, en vrai. Parce que du coup, on va reculer pour faire une petite... Ouais, de toute façon... Pas faire grand chose. Oh là là.
Voilà, je sais pas ce qu'il a fait en face. Je sais pas ce qu'il a fait en face, donc bah super game. Super game ici les frérots. Donc voilà, on a terminé avec ce showcase. Le Vegeta, je le trouve presque plus tanky dans cette team. Enfin, en fait, les cartes de Vados, c'est très fort. Même si vous jouez avec Champa, il met des malus qui empêchent le joueur de jouer en face, même Virus d'ailleurs. Mais en termes de tankiness pur et dur, je pense que le perso reste meilleur dans cette team. Enfin, en tout cas, moi, je le pense comme ça. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Ciao!